And please don't forget to subscribe and like this video. Coucou la famille, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de visage, teint de visage. Comme vous le savez, moi, j'ai toujours mes petits boubous de problèmes de teint. Donc, je vais toujours avec les trucs qui ne sont pas vraiment forts et qui peuvent vraiment nous aider, surtout quand je vais en Afrique ou bien quand je vais en mission et tout ça. Vraiment, j'ai utilisé cette pommade vraiment pendant des années et franchement ça m'a fait du bien. Souvent j'aime utiliser ça aussi sur mon corps, c'est pourquoi je prends la grosse. Bon, sinon il y a le plus petit qui est vraiment petit que ça. Tu peux prendre ça pour seulement ton visage et il est vraiment très bon. Il n'a pas d'odeur forte. Moi je supporte tout ce qui est odeur, tout ce qui est, ça me donne des boutons et puis ça a fait revenir mes claques parce que j'ai c'est une maladie de peau. Une maladie de peau. Donc, souvent, quand je suis là, il revient seul. Souvent, ça sort vraiment grand. Souvent aussi, ça disparaît. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de peau. Donc, quand tu connais ta peau, il faut savoir la nourrir. Donc, ce que je fais souvent, c'est de vraiment nourrir ma peau. Donc, j'ai utilisé ce truc-là et vraiment, ça a vraiment soigné et aidé mon problème de peau. Ça a réglé un peu mes problèmes. J'aime vraiment utiliser ça. Ça, c'est la pommade. Et aussi, celui-là, c'est, comment on appelle, c'est le SPF pour le visage. Même le SPF, quand je prends ce qui est très fort, 50, à partir de 50 jusqu'à l'au-delà, ça me donne aussi des problèmes. Donc, je suis obligée de rester sur le 30. Donc, je mets celui-là d'abord. Et puis, maintenant, je passe celui-là dessus. Ou bien, je mets carrément celui-là d'abord. Et puis, je passe celui-là dessus. Donc, je jongle entre les deux. J'utilise ça surtout quand il fait chaud. Même quand je dois sortir. Et quand je vais en Afrique. Ça. Voilà. Donc, j'aime utiliser ça. Et puis, j'ai tendance à mettre un peu ma vitamine E dedans. Quand c'est le soir. Le soir, pour faire reposer. Il y en a en capsule, la vitamine C et vitamine E. Il y en a en capsule aussi, il y en a en liquide, j'utilise les deux. Donc, c'est le soir, je prends seulement un de ça et je pèse carrément et puis je mets sur mon visage et j'avance. Maintenant, ce que je fais, c'est que les soirs, si j'ai beaucoup de chapeaux, quand j'ai mes règles, j'ai les taches, j'ai les petits trucs, les petits bobos, bien quand moi... mon truc là revient vraiment, je dis pas mon truc, faut bear in name of Jesus, c'est pas mon truc. Quand ça revient, j'aime mélanger ça avec le piment doux. Je prends le piment doux et puis je mélange ça avec celui-là. Donc, souvent, je fais un petit mélange à côté quand je n'ai pas le temps. Ou bien, je prends seulement juste un tout petit peu dans ma peau, tac. Ça, c'est nouveau. Je viens de l'acheter, comme vous le constatez. Donc, je prends un tout petit peu, je mets dedans et puis une petite goutte, je mélange. Et puis maintenant, je mets. Même aussi, je mets aussi sur mes trucs. Parce que, comme vous savez, avec nous, les coiffeuses, là, vraiment, nos doigts sont jamais ni tes putes. On a toujours des problèmes. Parce qu'on est dans l'eau, on utilise les produits forts et les trucs, là. Donc, ça nous fatigue. Ça, vraiment, prier pour nous, ça nous fatigue. Donc, c'est ça. Donc, j'utilise ça et puis franchement, ça m'aide. Donc, tout ce qui va avec le visage, c'est toujours aussi bon pour le cou et puis pour tout. Donc, franchement, ça fait. Soit souvent, j'utilise avec ça ou bien si on est en rupture. Ici, là, nous, on n'est pas comme en Afrique, vous trouvez tout comme carrément là. J'utilise aussi peau douce parce que, peau jaune. Parce que, moi, ils sont à base d'acide. Tu vois, non, acide de fruits. Donc, ça ne peut pas te faire du mal. Ce n'est pas les hydroquinones, ce n'est pas les produits, tout et autres. Mais c'est pour calmer ta peau, arranger un peu ta peau et naturellement glowing, comme on le dit. Parce que tu ne peux pas être rouge déjà et puis tu es là et puis tu as des problèmes, ma chérie. Donc, le mieux, c'est de trouver quelque chose qui te va, quelque chose qui nettoie ta peau, qui évite à ce que les rayons du soleil vraiment te fatiguent. On sonne tout le temps sur le soleil, c'est bon pour nous. Mais en même temps, tout ce qui est trop bon là, ça gâte aussi. Donc, quand tu as ton petit truc, quand tu mets, franchement, ton visage est glacé. Tu mets ça simple le matin avec ça. Ou bien si tu as un autre genre de SPF contre le soleil, tu utilises les deux le matin tranquillement. Si tu n'as pas aussi, le soir aussi, tu prends un peu de ton piment doux, tu mélanges dans ta chose. Tranquillement, avec ta vitamine E, tranquillement, tu mets dedans et puis tu vas voir le changement. D'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas voir que ta peau sera comme la peau d'un bébé.
En plus de ça, si tu as complété un peu tes compléments alimentaires, là, on va se gâter. Donc, il y a la vitamine C aussi. Moi, j'aime aussi beaucoup utiliser ça les matins. Je peux utiliser ça aussi dans ma crème, mettre ça dedans et puis utiliser pour mon visage les matins. Si je n'ai pas, si je suis en rupture de ça, j'utilise ça. Mais j'utilise ça beaucoup parce que ça aussi, quand j'utilise d'autres aussi, ça me donne aussi des problèmes de choses. Mais j'aime utiliser ça. Mais ça, vraiment, celui-là, c'est le top. Tu mets ta chose, ça calme tout et vraiment, c'est génial. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et vous dire que vraiment, je vous aime. Si vous essayez et que ça va avec vous, faites-moi savoir. Et vraiment, bientôt, on aura une boutique de beauté à Abidjan, sur Abidjan, où vous pourrez trouver... Non, pas Abidjan. Ok, Abidjan, Bassam, c'est Abidjan, bon. À Bassam. Donc, vous pourrez trouver tout ce qui sera pommade de visage, les trucs calmes, ce qui peut vraiment, les essentiels, comme les vitamines, soit les vitamines E, les vitamines C, tout ça là, parce que c'est des trucs qu'on a vraiment besoin. Donc, mes coucou, mes doudous, merci d'avoir regardé la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et encore, ne cessez pas de prier. Dans toute chose, c'est la prière. Avec Christ, tout est possible. Bisous à vous. Je vous aime.